Hey, salut les petits clous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Moi ça va bien normalement parce que je tourne cette vidéo un peu avant, d'habitude je la tourne le samedi soir, mais là samedi soir, le samedi il va être trop chargé, le dimanche matin brocante, donc je suis obligé de faire cette vidéo donc le vendredi soir, à l'heure où je tourne cette vidéo donc. Donc tous ceux qui veulent participer au concours, qui ont mis pour vendredi, qui ont fait leur inscription samedi, ben, ça sera trop tard parce que la vidéo sera déjà programmé, donc je m'en excuse auprès d'eux, mais en tout cas c'est pour cette fois-ci, ça sera le tournage de la vidéo se passe donc vendredi parce que je ne peux pas faire autrement, le planning est trop serré, je joue de 8h à 20h le samedi, donc j'ai non-stop jusqu'à 8h du soir, je ne serai pas rentré avant 23h, temps de ranger tout ce qu'il y a à faire, c'est impossible, et la brocante elle démarre tellement tôt aussi le dimanche que c'est impossible de le tourner, même le dimanche matin. Donc les 400 ne sont pas arrivés, donc il y a toujours ces. Ben non, il y a, du coup, il y a 6 cartes, dont 7 cartes. 7 cartes pour les 400 abonnés à se partager pour 3 joueurs. La cagnotte va monter, bien entendu. Je rajouterai encore des choses dessus, bien entendu. Hein, parce que 3 joueurs, ça fait juste 2 cartes chacun. Et vous allez voir que je vais rajouter des belles cartes. 7, donc aujourd'hui, on va s'ouvrir du Impact des Destins. Donc voici la recette, hein, le Zygarde, le Lugia, l'Alakazam et le Goupelin. Donc là, c'est l'art 7. Cette semaine, qu'allons-nous nous ouvrir? Nous allons nous ouvrir des dingueries, des boosters qui valent très très cher quand je vois le prix sur internet. Et vous allez les reconnaître tout simplement pour les amateurs de grosses cartes. Il y en a beaucoup là-dedans. Donc celle-là, c'est les premières éditions, la première série. Donc on va s'en ouvrir quasiment 20 de la première série. Et la deuxième série, j'en ai un peu plus, la deuxième série. Donc on va s'ouvrir tout ça cette semaine. Donc la première série et la deuxième série. Donc bien entendu, nous allons commencer par la deuxième série avec ces jolies évolutions. Et la première série vendredi pour essayer de choper ce Dracaufeu qui vaut extrêmement cher. Donc, je vais enlever ces boosters. Et c'est des dingueries, c'est des boosters qui valent quasiment 30 euros pièce. Donc voilà, donc on nous les donne quand on fait des tournois, quand on fait des avant-premières, etc. Donc ça se revend à prix d'or vu les cartes qu'il y a dedans. Et ouais, donc du coup moi je les ai gardées pour faire une belle ouverture en tout cas. Donc aujourd'hui, j'espère que le Noctali est là-dedans. Ce qui nous manque donc plus que 6 cartes en Impact des Destins. Donc le petit Givrali X, un petit Alakazam X, un petit Zygarde X. Et après, il nous manque 3 Full Art. Le Noctali qui m'échappe depuis le début de cette ouverture. On a ouvert quasiment 120-130 boosters facile. Et le Noctali Full Art nous échappe. Et là, il y a le Mega Altaria aussi X qui nous échappe. Et l'Altaria tout simplement en Full Art qui nous échappe aussi. En espérant y remédier, on va essayer de choper ce Noctali que je voudrais bien arriver à mettre dans mon classeur. Pourquoi pas? Alors, on y croit, je vais y croire jusqu'au bout de toute façon. À essayer de l'avoir. Vieille Ambre Ptera. Sur la dernière ouverture, on a réussi à avoir le petit Noctali. Donc si on pouvait avoir le gros Noctali maintenant et le petit Givrali, pourquoi pas? Récepteur aléatoire. Chinchidou. Donc pour compléter la collection, 6 cartes. Hein, plus que 6. En espérant qu'après cette ouverture, ben on en ait plus que 5, voire 4. Ça avancerait dans le casseur. Strassi, Chuniti. Et donc là, je vais faire aussi le tirage pour les 3 gagnants des 3 cartes promo qu'il y a là. Et derrière, un petit Symbiose en rare normal. Donc ça, c'est toutes des cartes que j'ai déjà. Donc on va faire le tirage pour les 3 cartes. Donc il y a eu 20 ou 21 participants. Je ne sais pas exactement, je n'ai pas compté. Donc on fera gagner 3 cartes. Donc bien entendu, je rajouterai dans les enveloppes un booster vide, un pack des dessins, de l'illustration que vous voulez. Pour les 3 gagnants, bien sûr, je leur pose en général toujours la question de l'illustration du booster qu'ils veulent. Je le mets dedans et je rajoute des cartes donc de Impact des dessins, parce que c'est ça qu'on ouvre aujourd'hui. Donc ça, les enveloppes seront garnies de Impact des destins en rare, commune, un coup, etc. Méos. Spray des évoluants. Pachmia. Ambrilex. Miaouss. Fennec.
Scrutella, Spoink, Strassi, et derrière un Monsieur Mime, un rare normal. Donc ça, c'est toutes des cartes que vous pouvez me demander pour les gagnants, bien entendu, à vous rajouter dans vos enveloppes s'il y a une carte d'Impact des Destins qui vous intéresse, en commune, un go ou rare. Et si je l'ai, je vous la mettrai dans votre enveloppe. Ah, le booster est tellement lourd que je l'ai lâché. On revient. Ah, voilà. Il est ouvert de quel côté, du coup? De ce côté. Je l'ai lâché. Donc c'était le booster. Ah, c'est le booster, le gars, il est lourd. Hein. Faut y croire, en tout cas. Énergie spéciale. Alors, c'est vrai que dans ces boosters, vous allez être étonné, mais il n'y a pas de... Sur XY, il n'y a pas d'énergie. Je vais y arriver. Karatrok, Shuniti, Arkéomir, Oppermine, Snubbull, qui a dû faire une belle bêtise pour aller se cacher là derrière. À mon avis, il a joué avec la petite balle derrière, il a tout cassé. Et la maîtresse de maison n'est pas contente. Riolu, donc dans cette édition, il y a deux illustrations de chaque Pokémon en commune, je crois. Majaspic, quasiment tous. Ben, Majaspic. Voilà. La différence des deux. Rare Rebirth, c'est rare normal. Allez. Petit Zygarde. Donc, Zygarde, c'était la seule illustration du tas que j'ai pris. Parce que j'ai pris au hasard dans le carton. Et du coup, ben, il n'y avait qu'un Zygarde au total. On va voir si le seul Zygarde que j'ai pris, ben, il est bon. J'espère. En tout cas. Allez, Fossil, Nautil, Ammonica. Tout ça. Gros Doudou, avec sa dresseuse derrière, qui est sur son ordinateur. Lui, fait la sieste. Lien spirituel, non mais oui. Alors ça, les non mais oui, on les a eu dans la dernière ouverture. Donc du coup, il ne m'en manque plus. Des non mais oui. Strassi, Vivaldin, Vipelière. Donc là, on ouvre 13 ou 12 boosters. Je ne sais plus combien j'en ai. Mais c'est ou 12 ou 13 parce que j'en avais 25. Donc si c'est 12, ben, la fois prochaine, ça sera 13. S'il m'en reste encore pour faire une ouverture. Vipelière. Ben, on y est dans les... Après le Majaspic, le Vipelière. Et derrière, encore un symbole. Alors ça, c'est ma chance à moi de choper des doubles à chaque fois que je joue des boosters. Dans une rare, ben on va choper toujours les mêmes. Et si on chope une ultra, ça se trouve, on va choper toujours la même. Ce qui est bien dommage. Bon, de toute façon, c'est des cartes que vous pouvez me demander. Je les ai quasiment toutes en double. Alors peut-être pas toutes les rares, mais je pense que la plupart des rares, je les ai en double. Effect. Lamantine. Il y a des sacrées illustrations qui sont super belles par contre. Ramboum. Smogo. Chinchidou. Topiqueur. Riolu. Strassi. Qu'est-ce qu'on la voit ce Strassi? Brutalibré. Ah, ce qui est bien, non, c'est... Ah non, c'est une commune. C'est pas une commune, c'est une Nunko. Bon, un petit gros ray. Qui fait du bruit. Un slammer. Attention, il slam. Ça a l'air de faire avec le grand boom, le ramboom derrière, là, ça a l'air de faire quand même pas mal de bruit. Hein. Il n'y a pas que du slam, je crois. Allez, petit Lugia. Montre-nous de quoi tu es capable. Parce que pour l'instant, ouais, on a ouvert 5 boosters là. On est... Après ce booster là, on sera à la moitié de l'ouverture. On n'a rien sorti. J'ai pas signé pour ça là. J'ai pas signé pour rien avoir là. S'il vous plaît. Allez, Roussil. Fais de la magie, Roussil. N. Avec le Zorua. Brutalibré que nous avons eu en reverse juste avant. Fennec, alors c'est toute petite série, hein, vous voyez. Bon, je vous la présente pas, mais il y a 124 cartes et une secrète, donc
Il y a 125 cartes, donc c'est pas des grosses séries comme maintenant où c'est impossible d'avoir toutes les cartes quasiment. C'est infernal les séries de maintenant. À quand ils vont arrêter de nous faire des si grosses séries? Aupermine, Archéomyr. Allez, un petit truc derrière, ça serait génial. Ben non, ça ne veut pas. Ça va. Encore un double. Donc les gagnants, n'hésitez pas à me les demander, ces cartes-là. Hein. J'en ai quelques-unes en double. Bon, ben, moitié de l'ouverture, rien du tout. Pas une petite ex. Pas une petite ex, rien du tout. On fait chou blanc, là. Je crois que j'ai pas pris la bonne pile. J'ai pas dû prendre la bonne pile. Allez, un petit code. Un pack des destins, un petit code. Va nous falloir qu'on sorte quelque chose. Kit d'excavation de fossiles. Jardin des fées. Karatrok. Miaouss. Aupermine. Snubbull. Donc on revoit toujours les mêmes cartes, un hein, Bipelière, ce qui est un peu logique. Nucleos. Goray qu'on a eu juste avant, ben, c'est une rare reverse, donc c'est très bien. Pour la collection, c'est très très bien. Les rares reverse, c'est dur à avoir. Mais, ah, un Kyurem blanc. Donc celle-là, elle pourra aller bien. Je crois que je l'ai. Je regarderai, mais celle-là, elle ira certainement. Chez vous, en tout cas, en holo, les petites holos d'impact des destins. Donc celle-là, je vous la ferai gagner si je l'ai pas, si je l'ai. Mais je crois bien qu'il y a de fortes chances que je l'ai, quand même. Allez, il faut sortir autre chose qu'une holo, quand même. Hein. Là, c'est un peu triste, mais voilà le booster, je l'ai complètement défoncé. Celui-là, ouais, il va partir à la poubelle, celui-là, je l'ai complètement défoncé. J'ai défoncé le booster. Bon, j'espère qu'il y aura une belle carte dedans. Alors, du coup, fossile Dom Kabuto. Karatrok. Spécialité de fillette. Alors, c'est quoi la spécialité de la fillette? Je sais pas. Topicker. Spoink. Riolu. Donc, la deuxième illustration du Riolu. Nucleos. J'ai l'impression de voir les mêmes boosters avec les mêmes illustrations à chaque fois. C'est un rêve ou pas? Parce que même Symbiote, bon, c'est une rare reverse, donc ça c'est très bien. On va pas se plaindre. Mais on voit toujours les mêmes. Et le Zygarde en rare normal. C'est pas le dans sa meilleure forme, celui-là, parce que je le trouve pas beau. Passe quoi là? Autant il y a une fois on a tout chopé la dernière fois. La dernière fois on a chopé, si je me rappelle bien, on a chopé 8 hits sur 16 boosters, je crois. Donc c'était juste incroyable, un booster sur deux quoi. Et je crois que là cette fois-ci, on avait tout pris la dernière fois, je crois même. J'espère qu'il reste encore dans le carton là. Énergie spéciale, Pashmia, Nucleos. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment les mêmes boosters à chaque fois qu'ils sortent là. Il n'y a que ça dedans, alors qu'il y a quand même un peu plus de Pokémon. Chinchidou. Chuchmure, voilà, ça change un petit peu de Pokémon là. Ça fait du Bestracie, mais je crois qu'on l'a déjà eu en reverse tout à l'heure. Celle-là, elle est déjà passée en reverse tout à l'heure. Ossature. D'ailleurs, je suis en train d'entendre, il y a des feux d'artifice derrière. Bon, je ne sais pas où c'est, mais ça pète derrière. Méga Alakazam, s'il te plaît. Fais-nous quelque chose. Parce que là, l'ouverture, elle est triste. Je sais pas quoi faire là. Franchement, je sais pas quoi faire. Je sais pas ce qui peut sortir. Vous donner des codes, allez, pourquoi pas, allez. Voilà, c'est vraiment triste comme ouverture. Fan Club Pokémon. Malheureusement, ça arrive. Chenizel. Zygarde, dans cette forme-là, il me plaît mieux déjà avant Toutou là. Vivaldin, Vipelière, Rondoudou, on n'avait pas vu encore celui-là. Fennec, Snubbull, alors lui, on l'a déjà vu.
Golgopath, c'est encore une rare reverse. Par contre, on tire quand même pas mal de rares reverse, donc c'est pas mal pour la collection. Mais pour boucher les trous, j'ai dit les cartes que je voulais, mais c'est pas ça quoi. Regardez cette beauté de Terra. Très très belle illustration. Bon, il reste deux boosters. On va procéder au tirage au sort des gagnants. Donc, je vais tirer les trois. Hein. Ça sera fait. Allez, hop, je vais mettre le livre juste à côté. J'ai les boosters. J'ai les sleeves, mais les sleeves, elles ne m'ont pas servi à grand-chose pour l'instant, en tout cas. Donc j'ai tout qui part. Hein. Allez, j'ai les numéros, j'ai tout à côté de moi. C'est parti. Alors là, on a le 18. Hop, donc c'est le 18. Le premier, je crois qu'il a été pris exactement. Alors le 18, c'est Rerovitec. Alors, je prononce peut-être mal le mot, mais c'est Rerovitec. Non, Rerovitch. Vitch. Rerovitch, ça doit être ça. Donc, premier gagnant. Donc, de toute façon, les lots seront les mêmes pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de premier, deuxième ou troisième gagnant. Hein. C'est juste sur Discord. Après, vous venez me contacter et vous me dites que ce que vous voulez dans la pack des dessins en rare commune inco. Et on mettra une reverse dedans si vous voulez, c'est pas un problème. Allez, deuxième gagnant. En général, j'en mets une. Le 16. Alors, le 16, je ne l'ai pas vu, je crois. Non, il a fallu que je tombe sur un numéro qui n'a pas été pris, le 16. Allez, c'est parti. Le numéro 6. Le 6, je pense que oui. Ghislain Sachaud a gagné le 6. Et je suis pas sûr qu'il n'ait pas gagné il y a pas longtemps aussi. Ghislain. Donc, Ghislain, bravo à toi aussi pour ces trois cartes promo. Et les cartes que je vais te rajouter, bien entendu, dans ton enveloppe. Et donc, le troisième, le numéro 10. Le 10, il a été pris aussi. Donc, c'est Anthony Moroso. GG à tous les trois. Donc, à me contacter sur le Discord qui est en lien sous mes vidéos. Il suffit juste de cliquer dessus, de rejoindre. Et voilà, je vous rentrerai en tant qu'abonné, etc. Et puis, on peut discuter de tout et de rien. Et de ce que vous voulez que je vous rajoute dans votre enveloppe. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne parce que les lots là, je vais en rajouter donc cette semaine. Et normalement dimanche prochain, on devrait faire le concours parce qu'il manque un seul abonné. On est à 399. Donc pour un abonné, on pourra faire le concours la semaine prochaine pour les 400. Et derrière, on va faire un gros, gros, gros concours pour les 500 abonnés où il y a 3 ETB Pokémon Go à gagner. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir une chance de gagner ces 3 ETB Pokémon Go pour les 500 abonnés en tout cas. Farfaduvé, mais avant, il y a le concours des 400. Rondoudou, Riolu, Vivaldin, Snubbull, mais c'est un tous les boosters qu'il y ait celui-là. Chinchidou, oh, Tyranocif en holo. Donc ça, reverse, donc ça c'est une holo reverse. On a tiré que des rares reverse, hein, quasiment, je crois. Hein. Mais par contre, on n'a pas de hex. Et on a repris encore un gros ray, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. C'est incroyable la malchance là. Hein. Franchement, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Il n'y a que si une Noctali voudrait tomber là maintenant, ça sauverait l'ouverture. Mais non, j'y crois plus du tout là. Je crois plus du tout aux Noctali sur cette ouverture-là, en tout cas. Parce que ben, quand ça commence comme ça finit comme ça. En général, c'est ce qu'on dit, ça commence et ça finit comme ça. Donc, j'y crois plus, même pour le dernier booster. Amunita, j'espère choper un petit truc, mais spécialité de fillette. Mais je crois que j'ai touché, oui, j'ai touché le truc là, parce que c'est parti en vrille là. Voilà, j'ai dû le toucher à un moment donné. Spécialité donc avec le dé, je pense. Donc la spécialité de fillette. Gros doudou. Scrutella, Chuchemur. En tout cas, j'espère qu'on aura plus de chances dans les packs de tournoi, là, les play Pokémon. Là, normalement, on devrait avoir quand même pas mal de chances avec tout ce qu'il y a à ouvrir. On devrait quand même arriver à faire du lourd. On a encore chopé une holo reverse, parce que ça, c'est une rare. Et celle-là, je vous l'avais fait gagner, il me semble déjà, parce qu'on l'avait eu quand même beaucoup de fois. Donc celle-là, elle va partir aussi. Encore Monsieur Mime. Vous voyez, quand je vous dis qu'on tire toujours les mêmes cartes. Quand ça va mal, ça va mal jusqu'au bout. Bon, allez, on va faire quelque chose. On va s'ouvrir quelque chose que je n'ai pas ouvert depuis longtemps.
que de toute façon, vu que l'ouverture est, on va dire que l'ouverture elle est minable, là, parce qu'on n'a pas eu grand chose. Et tout ce qu'on a eu, de toute façon, ça va aller chez vous. De toute façon, parce que je vais vous donner. Eh bien, on va ouvrir cette petite boîte de Pokémon Go. Dans Pokémon Go, il me manque deux cartes. Peut-être que là, les cartes vont vouloir venir. Hein. Tiens, là, il y a même les autocollants Pokémon Go avec. On va donner la boîte Pokémon Go avec. Tenez, un petit code en plus. Voilà. Donc, la boîte, on la ferme. Et je vais même vous mettre, vous rajouter les deux promos. Oui, vu qu'il y a deux promos là-dedans, ça dans les. On va vous les rajouter là. Je vais rajouter les deux Pokémon Go en promo. Et donc, il y a 4 boosters Pokémon Go en espérant qu'on ait ce Spark et ce Candela. Et puis, même, je vais vous offrir ça. Pour ceux qui jouent à Pokémon Go, je ne sais plus jusqu'à quand c'était. Voilà, les codes. C'était avant le 1er juillet 2023. C'est mort. Donc, bah écoutez, c'est mort normalement. On ne devrait rien pouvoir en faire. Tant pis. Bon, bah, on va essayer de choper ce Candela et ce Spark Rainbow. Parce que là, finalement, on n'a pas tiré ce qu'on voulait. Donc, on n'a pas pu rajouter de cartes dans un pack des destins. Un pack des destins. Avec Pokémon Go, je vous donne tous les codes aussi. Parce que j'en ai pas besoin. Allez, deux Rainbow pour finir la. Pour finir la série. Là, c'est vrai qu'il y a des énergies là-dedans. Donc ça, on va le mettre là, le tas de Communico. Allez, super bonbon. Déflaisant. Qu'est-ce que j'en ai ouvert cette série? Capitaine d'équipe blanche, Bulbizarre, Natu, Capidestre, Ramolos. Il y a des radieux. Donc avant l'avant-dernière carte, il peut y avoir quelque chose de beau. Non, il y a un Pikachu qui est beau, voilà. Pikachu Reverse. Bon, bah pourquoi pas un Dracaufeu Pokémon Go Holo. Allez, je vais vous le rajouter là aussi. Le Pikachu, ouais, je vais le mettre là aussi. Allez, je le mettrai de son. Ça ira tout au même endroit. De toute façon, je vais vous le rajouter. Le petit Pikachu Reverse de Pokémon Go. C'est toujours pas facile à trouver, on sait jamais. Si quelqu'un le veut, je le mettrai dans les enveloppes. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait arriver à tirer quelque chose de ces boosters. Ou alors, c'est vraiment pas le jour à ouvrir des boosters, je crois. Énergie Psy, Flagados, Air Bizarre, Pokéstop, Meltan, Evoli, Pikachu, la deuxième illustration du Pikachu, Carabus, allez, Castorno, allez, on veut quelque chose derrière là, pourquoi pas. Non, Tyrannosif normal, Arno en reverse. Et le Pikachu Holo. C'est celle qu'on avait qui donnait dans les King Jouets, qui sont en train de les vendre même dans les Micromania à 2€ la carte, alors que c'est même pas une carte promo. C'est un peu tristouné. Ouais, je vais pas les. Si on me les demande, je les rajoute, mais c'est des cartes assez communes dans le set, qu'on a assez régulièrement. Même un Tyrannosif reverse. Je vais pas les rajouter. Allez, le booster est tombé, mais j'ai les cartes dans la main. Je crois que c'était pas la bonne boîte à ouvrir. Allez, énergie métal, moduleur, Camrut, Xatu, Bulbizarre, Poichijon. Je crois que c'était pas la boîte à ouvrir. Meltan. Evoli, allez, il n'y a même pas une radieuse dedans, et il y aura, de toute façon il y a toujours une holo, donc il y a toujours une holo dans le booster. Bon, là c'est la catastrophe, hein. je suis désolé de vous infliger ça, une ouverture sans pas grand, enfin pas sans rien, mais vraiment où il n'y a pas grand chose. J'en suis désolé, c'est vrai que je suis pas dans les boosters, mais quand même, c'est un peu désolant de sortir rien. Et même à moi, ça m'embête un peu, mais bon, tant pis, c'est comme ça, il y a des ouvertures qui se passeront mal. Ça sera, c'est pas la première, et ça sera certainement pas la dernière. Je préférerais que ce soit la dernière, mais ça ne sera pas la dernière. Par contre, elles sont toutes, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les boosters que j'ai ouverts sont tous décentrés, sont tous décentrés sur la gauche. C'est un truc de fou. Tous les boosters que je viens d'ouvrir, là, c'est tous comme ça. Allez, Magikarp. Reverse.
Bulle bizarre. Et derrière, il y a quelque chose, je crois. On va au moins tirer une petite carte. Voilà. Parce que c'est vraiment des petites cartes, ça, c'est... Je vais vous la rajouter avec les lots, là. Voilà, donc ça fera quelques cartes en plus. Hein. Pour les 400 abonnés, voilà. Il y aura donc ces 7 cartes. Je vais rajouter ces 2 cartes promo. Et je vais rajouter ce petit Dracaufeu Holo, ce petit Pikachu Reverse et ce Monafemid V. Donc ce sera ça pour dimanche prochain. Sur les 400, on devrait y arriver assez facilement d'ici dimanche, j'espère en tout cas. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc vous avez vu ce que je vais ouvrir la semaine prochaine. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment du lourd. Donc j'attends que vous vous abonniez sur la chaîne, à mettre des pouces bleus. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles ouvertures et salut les petits clous.